Hey, bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé, encore une fois, je le redis, un excellent week-end. Bonsoir Gorgot, bonsoir Anime, comment allez-vous les copains? A soldier, and a stern made me fine. Ce soir, on attaque les Slaves to Darkness, les vrais de vrais. Ma future Spearhead, donc pour AOS V4. Oh, ça va être du lourd, ça va être du très très lourd. Donc on est en train de voir, on va voir un petit peu le schéma de couleur, voir si les deux schémas que je veux faire sont compatibles ou pas. Ah, j'ai pas mis de sucre, je reviens. Donc ce soir, les amis, c'est Radio Libre, donc n'hésitez pas à me rejoindre en vocal si vous voulez papoter un petit peu, et puis on va peindre ensemble. Allez, je me mets en vocal. Voilà, je suis en vocal. Ok, c'est bon pour moi. Et coucou Kazé, comment vas-tu ? You can't see me. Ça peut aller. Ah, qu'est-ce qui se passe? Salut Gorgot. J'ai une lourde décision à faire. À faire ou à prendre? 6 heures de train à supporter les gosses des autres, ça éprouve, j'avoue. Surtout quand t'aimes pas les gosses. J'avoue, je te prête les miens, tu vas les aimer encore moins. Et coucou Volta Seb. Ça a le mérite d'être honnête. Non mais il a raison. L'autre con là, avec ses pinceaux. Et coucou mon meuf, comment ça va? Pas sûr de te les rendre vivants par contre. Ouf. Ouf. Non, ça est costaud. C'est costaud. J'avoue que là, pour le coup, surtout si t'aimes pas les gosses, alors en plus supporter pendant 6 heures des gamins qui sont même pas les tiens. Ah là là, moi je les pends par les pieds en dehors du train. Direct. Est-ce qu'il y en a qui suivent le foot? Est-ce qu'il y en a qui suivent la Coupe d'Europe un peu là? Bon, les Suisses, ils se sont fait éliminer, ça y est, par l'Angleterre. Ils ont perdu au penalty. C'est dommage parce qu'ils avaient fait un bon parcours. Bah alors Billy. Et coucou Tom. Faut pas oublier que même quand c'est les tiens, tu subis. Oui. On t'a pas vu cette semaine. Bah si, j'étais là. Juste hier soir, j'ai pas stream parce que j'étais fatigué un peu. Je voulais me reposer. J'avais mal au bras surtout. Je me suis inquiété. C'est payant. Quel enfoiré. Coucou Max, comment ça va? I'm just a kid. Vendredi prochain, soirée gaming. Donc si vous voulez passer la soirée avec nous, à jouer à Among Us ou Fall Guys, bah, n'hésitez pas, on est là. Ah, il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre parce que du coup, je vous ai dit que j'avais enlevé les jeux et tout. Mais je les ai vraiment enlevés.
Je n'ai plus aucun jeu sur mon ordi pro. Coucou Penta. Bah du coup re. Mais ouais, je n'ai plus aucun jeu sur mon ordi pro. C'est-à-dire que vraiment, full boulot quoi. C'est la deuxième fois qu'il enlève des jeux. Non, j'avais pas enlevé les jeux. J'avais pas tout enlevé. J'avais enlevé les jeux auxquels je ne joue pas. Mais là, j'ai fait mieux que ça, Max. J'ai fait mieux que ça. J'ai enlevé les launchers. J'ai désinstallé les launchers. Regarde, bouge pas. C'est-à-dire que là, sur cet écran-là, j'ai plus de jeu. Plus un seul. On va voir. J'ai gardé Steam parce que Steam, j'ai mon Wallpaper Engine dessus. C'est pour ça. Il a même enlevé Windows, il va passer sous Linux. Non, pas tout de suite. Linux, ce sera uniquement pour le Raspberry. Donc voilà, sur cet écran, plus de jeu. Je vais vous montrer l'autre maintenant. Et ça, c'est l'autre. Ça marche, pas de souci, à tout à l'heure. Voilà, ça, c'est l'autre. Plus un seul jeu. Plus aucun jeu sur cet ordinateur. Bon, concrètement, soit je regarde ton live. Soit je me lance la série Ghost of the Shell pour la première fois. Ghost of the Shell? Ghost in the Shell. Pas une série, c'est un animé. Les fantômes du coquillage. Tu te fous de ma gueule. C'est facile dans les... Alors, bouge pas. Puisque tu me charries comme ça, bouge pas, tu vas voir. Parce que même mes modos me font pas confiance. Où est-ce que je pourrais montrer ça? Tiens, supprimer et désinstaller un programme. Il me reste Valorant, mais vous allez voir Valorant ce qui se passe. Il trouve pas le jeu en fait. Salut Keops, il le trouve pas. Je te mets une icône Adobe première sur n'importe quel jeu. Oui, moi aussi. Mais il y est plus en fait Valorant. Il apparaît là, mais il y est plus. Ouais, un tera le Valorant, ouais, c'est pour ça, tiens. Donc, mais voilà, plus de jeu. Et plus de launcher surtout. Plus de launcher surtout, le seul que j'ai c'est Xbox parce qu'il y a des pour pouvoir prendre les jeux du mois. Mais voilà, donc j'ai pas tout ça, mes Faust. T'as pas voulu me redonner tes codes, enfoiré. Donc voilà, non mais on est pro, on l'est pas. Hein. Alors. Pas le genre de meuf. Non. Bien sûr que non. Ok, hop, je joue plus à WoW. Lui, il va sur Arte, il se fait l'intégrale de Thalassa en noir et blanc. Alors, les poèmes japonais, on appelle ça des haïkus.
Bon, c'est pas cette spirée là, là c'est encore la Vanguard. Ouais, ben tu vois pour le coup, hein? Tiens, Torm, cadeau. Les gars, c'est radio libre. Venez en vocal si vous voulez papoter, ça peut être cool. Quelle indignité. Mais c'est toi qui me cherches aussi, tu dis que je suis pas culturé. Alors que je suis énormément culturé. Continuez. Non, c'est encore l'avant-garde. On va aller sur le site de Games directement. C'est toi que ça le moche. Tiens, d'ailleurs, le schéma Stormcast est fini de mon côté Val. Ah, trop cool. Trop cool. Allez, n'hésite pas à mettre des photos, hein, on veut voir. Ah, mais c'est pas celle-là. Bah, c'est pas grave, vous allez voir, on va la trouver. Et coucou les noobs. Yes. Eh ben bon film à toi. Bonne soirée à toi aussi. Si jamais elle se rebelle, au bénite. Il faut que je la taille. Mais comme j'ai toujours pas été payé. Comme j'ai toujours pas été payé par mon employeur. Eh ben, j'ai pas les moyens de m'occuper de ça. Non, je cherche pas de boîte, t'inquiète, je l'ai déjà celle-là. Non, en fait, on était sur une étude de schéma. Donc, je pense, je vais vous voir avec vous, parce que je sais qu'il y a des peintres dans le lot. Mais je me posais une question. Est-ce que vous pensez que la couleur d'armure, là, comme ça, là, elle irait bien avec la cape? Si seulement ça marchait comme ça, Max. Si seulement... Mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ce schéma-là avec de tissu là peut aller bien avec ouais et armure Yvolette, ouais. C'est une nouvelle couleur l'Yvolette? Je connaissais pas. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire, parce que bon, l'armure noire et tout, ok, même pas je te réponds, t'as que moi. Bien en vocal si tu l'oses. Ta 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 ta, Yvolette, ta 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 ta, Yvolette. C'est vrai, toujours. Comme d'hab, par contre, ton socle. Socle lave, ouais. Ouais, mais du coup, on partirait peut-être plutôt full... Full violet dans ces cas-là, alors. Si on part sur un socle lave... Mon petit oiseau a pris ça, voler. A pris ça, Yvolette. Après ça, à l'Yvolette a pris son Yvolette. Ouais, je pense aussi, ouais. Ou alors, je reste sur le schéma officiel et socle lave. L'armure est noire, ouais. Noire, travaillée au gris... Façon Games.
Pixir, je connais pas. Moi, j'utilise... C'est lequel qu'il faut cliquer? C'est celui-là? Ouais, bah Photoshop. Là, je pense que ça fera trop. Je pense que ça fera trop. Du coup, on oublie le schéma games et on va partir sur le schéma que je voulais faire depuis le début. Bah, comme j'ai fait les autres en fait, comme j'ai fait mon gris déjà sur mes autres slaves. C'est un peu un gris, un peu ce style là, tu vois. Noir un peu style comme ça. Les box art de Games Workshop c'est de la merde. Oh, c'est méchant. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Et coucou Vitamix, comment vas-tu? Ah, ce violet, il me trigger de ouf, je le trouve magnifique. Bon alors, tu la tailles quand tu lui fais une belle coupe? Oh, ça va me prendre le grain, je vais tout raser. Non, il faut que j'aille chez le barbier. Le problème, c'est comme j'expliquais en fait à chaque fois, le problème, c'est que je trouve pas de barbier qui. De bons barbiers. À chaque fois, ils me ratent tous. Donc, je commence à avoir le ras-le-cul, quoi. Franchement, prends deux guerriers du chaos, fais un schéma de chaque pour test. Flemme. Non, je vais faire comme elle a dit. Comment tu dis Pix machin là? Pixir. J'ai des trucs chelous quand même là-dessus. C'est des trucs que j'envoie aux copains, tu sais. J'avais compris, Gorgot, t'inquiète. Ouais, je sais pas. Allez, on va essayer câble bleu. Alors, attends. On va aller récupérer l'image.
Ah, celui-là, là. Et comment tu fais pour la pipette? Des cubes de couleur, ok. Cœur valeureux, ah c'est bien cœur valeureux. Te tranche de pas convaincu du tout. attendez, il se passe un truc là. Quoi ça? Oh. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Propose ce clavier. J'aime pas trop comme ça. Ouais, moi non plus, hein. Ouais, après, là, du violet, il en a vraiment mis partout. Je pense que l'armure du cheval aurait pu être d'une autre couleur. Ok. Ouais, bon, on va rester comme ça, écoute. Hein. On va rester sur du violet. Merde. C'est caca, quoi. Ouais, non, mais à moins de faire un OSL de l'enfer sur ton socle lave, ça va pas le faire, je pense. Non, mais on va rester sur du magenta, ça me convient aussi très bien. Ça me convient aussi très bien. La couleur du bouclier. Ah, tu crois? Attendez, bougez pas, je vais le remettre. Ah non, moi je l'adore comme ça aussi, c'était vraiment la couleur que je voulais. Hein. À la base, c'était vraiment le schéma que je trouve fou, quoi. Je trouve fou. Armure violette, dégradée vraiment. Je trouve ça cool. Et puis c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, tu vois. Ouais. Non, non, il m'avait ce schéma-là m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et puis son NMM est très propre, quoi. Son NMM Gold, après, tu vois que c'est tout fait à l'aéro, quoi. Le violet, tout le violet, il fait à l'aéro. Après, les petites touches... J'envoie une fiche du cube des couleurs. Ok, monsieur. Fais pas de taille.
À titre d'exemple. D'accord. On a place to come to you. We don't wanna be with you. On and on and in the sun. Moving place and have you gone. Makes me feel some kind of go drum on gray. Alors, Gorgotte, qu'il est là. Oui, alors, ok, je trouve ça super intéressant. Le problème qu'il y a là-dedans, c'est qu'il n'y a aucun sombre, aucune couleur sombre forte. Attends. Oh, putain. Pour moi, pour le rouge, il manque un marron. Pour avoir une couleur très forte, là, tu vois, cette partie-là, là, qu'on voit ici, là, pour moi, il faut un marron. Il n'y est pas. Ah, il faut pas anime. Vraiment, il faut pas parce que sinon tu vas jamais avancer. Oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je dis en fait, c'est que l'outil est bien, mais malheureusement, il n'est pas complet. Parce qu'il manque un ombrage plus fort. Tu vois?265, c'est-à-dire qu'elle en a fait 264 avant. Ben, là, sur la photo, c'est pas complet. Envoie-moi les 600 fiches. Après, je me dis, les bas, je peux pas les rater. C'est tout ce qui est highlight et dégradé, comme je sais pas le faire. Lance-toi, ça va venir au fur et à mesure. Ça va venir au fur et à mesure, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur parce que plus tu vas avoir peur, plus tu vas te chier et tu vas plus vouloir peindre. Donc passe au-dessus, respire un bon coup et lance-toi. Exactement, Anime, exactement. Je le dis à chaque fois, de toute façon, ce n'est que de la peinture. Ouais, je passe mon tour, Gorgotte. Je passe mon tour. Mais non, pour encore une fois, pour les scaven, c'est que de la peinture. Donc, lancez-vous. Lancez-vous. Donc, on reste sur ce schéma. C'est pas mal. On va pouvoir travailler. Ah, attendez, j'oublie quelque chose. Travailler au fur et à mesure. Oui, mais comme je fais à chaque fois. Je t'ai envoyé une autre. Allez, plus que 598. Là, oui. Là, je suis d'accord. Clairement, là, je suis d'accord. Il est complet. Oui, là, sur la photo que tu m'as envoyée, on y est, là. Là, je vous le montre, hein, mais clairement, sur le schéma, on y est.
On a ces quatre là. Oui, d'accord. Tu as raison. Donc on va partir sur lui. Donc sur le chef, je pense qu'on va le coller. Je vous rappelle les amis, ce soir c'est Radio Libre, donc n'hésitez pas à me rejoindre en vocal si vous voulez papoter un petit peu. Vous êtes les bienvenus. Je suis éclaté. Comment ça va ton pied au fait ? Alors, c'était pas dormir l'autre option que tu m'avais dit. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, si tu lances une série, tu vas dormir devant la série. Donc, autant aller directement dodo. Hein. J'ai dormi jusqu'à midi, de midi à 17h, et je suis toujours KO. Ah, ça, c'est peut-être parce que t'as trop dormi. Bon, lui, on va le faire à part, la tête, on va la faire à part. Mais par contre, tout ça, là... Il est fatigué, le petit bouchon. Allez, on va coller ça. Hop. Non, week-end très chargé, beaucoup d'activités, peu de repos, de sommeil et de repas. Ah oui. Mange, ouais, c'est ça. Aïe. Ah non. Ouais, j'ai peut-être pas le coller maintenant, du coup, comme ça je pourrais faire la cape, l'intérieur de la cape. Ouais, on va faire ça comme ça plutôt. Comme ça, moi, je suis tranquille. Ah. Vous avez fait quoi ce week-end du coup pour être aussi crevé, poulet?
Ah, c'est vrai! C'est vrai, c'était ce week-end. Alors, attends, Spink pour l'éclaircie finale. Ah, excellent! Oh, c'est trop chou! Laser magenta. Attendez, excuse-moi. Écho, allume lumière de bureau en blanc. Écho, lumière de bureau en bleu. Attends, je vais l'ouvrir avec mon téléphone parce que du coup je vois pas bien. Discord. C'est pas le bon. Prestaro, comment vas-tu? Il nous manque celle-là, là. Ouais, ça va nickel. 107, putain, sans violet. J'ai pas beaucoup de choix en violet, dis donc. Oh putain, ça sent le mélange, ça. Ça sent les mélanges. Donc violet raid, c'est celui-là. Intense pink, c'est celui-là, ok. J'ai même enchaîné le boulot de 07 à 22, puis je me suis occupé d'un malade qu'on a ramené chez lui. On est rentré en caserne à 2h du mat et à 7h on a repris le travail. Petite beuverie pour fêter la fin de la compétition et j'ai pu aller dormir un peu avant de nettoyer les locaux et de rentrer chez moi. Ouais, chaud quand même. Va falloir, ouais, va falloir. Le Dark Purple. J'ai pas de Dark Purple. Ça commence mal. Ok.
Bon. Donc on était sur une base très sombre. Non, une base... ok. La base, c'est bon, je l'ai. C'est le violet raid. Ouais, c'est l'idée. Et en bleu sombre, j'ai du light Prussian Blue à la limite qui peut faire l'affaire. Sinon j'ai de la la améthyste blue fait très violet foncé aussi. Oh, attends. Non mais le rose je laisse, pas le problème. C'est entre le merde. Ok, on a notre base. Tiens, je crois que je vais essayer un peu un pseudo NMM avec cette recette, juste pour voir ce que ça donne. Yes? Oui, ça peut être sympa en plus. Excusez-moi. Je crois que je trouve. Il est pas assez foncé. Je pense que je vais repartir sur une autre base. On va partir sur de l'améthyste blue.
fait très violet foncé au final. Yes, carrément, c'est une bonne idée. Merci Gorgoth, j'irai voir ça. Et bonne soirée à toi mon poulet. La bise. Oh. Oh, ça veut pas, hein. J'arrive pas à... Je n'y arrive pas. Alors à la limite peut-être celle-là pour le tissu, ouais. Et retombe. Non, j'y arrive pas. Ça me... Je l'ai fait en NMM Gold. Je suis pas inspiré pour les pour la pour le violet au final. Je le trouve magnifique, mais je suis pas inspiré. Ouais, ça c'est joli, mais j'arrive pas à le mettre en pratique. Ouais, il y a des fois comme ça. Bon, j'ai rien fait de spécial, hein. Je fais une palette. Je fais une palette, on va pousser, à la limite on va pousser un peu, histoire de voir un peu ce que ça va donner. Mais bon, le violet améthyste, l'améthyste bleu finalement est beaucoup trop foncé pour le schéma. Et je pense qu'à l'aéro, ça sera beaucoup plus facile. On va le faire à l'aéro. Et on va coller la jambe.
plus facile avec ça. Oh, ça va me gonfler. Alors, on va attendre un petit peu que ça sèche. Du coup. Putain, j'ai tout rangé, je retrouve plus rien. Là, ce soir, il n'y a rien qui va. Bah, j'espère que vous avez passé un bon week-end quand même. Hop là. Semaine prochaine aussi les amis, on va continuer on va continuer et tenter de finir la deuxième entrée pour Octo Painting. Et surtout, on va en parler vite fait là, mais surtout les amis. On va préparer une entrée pour le Golden Demon. Aha! C'est la surprise, Tom, tu verras. Bon, ça va te plaire. Année chargée, ouais. Ouais. Entre là, cette année et l'année prochaine, ouais. Chargé, ouais. Ouais, toi tu sais, meuf. Tu sauras pas, Torm. Tu sauras pas.
Moi aussi, je sais. Bon, en même temps, c'est normal. C'est un moulage de... Non, putain, mais même à l'écrit, quoi. Sérieux, tu peux pas t'en empêcher. C'est un truc de fou. J'ai pas l'habitude de peindre des modèles aussi petits, les noobs. So if you love me, you know I'm beautiful, who have just a croissant. Allez, c'est parti! Ça fait très très rose là, hein. Le choupi guerrier, ouais c'est ça, ouais c'est les slaves tout Agada. Dans la tendance politique du moment. Ouais, mais c'est pour ça, Slave to Tagadal.
Lui, c'est notre seigneur. Il s'appelle Arken le Très Gentil. D'ailleurs, t'es invité pour le thé. Welcome and you can attention. Salut, c'est Kel. Et coucou Alkesh, comment vas-tu? Ouais, ça va. Coming out in the evening, oh yeah. À mon cœur. Ah oui, n'hésitez pas les amis, ce soir c'est Radio Libre, donc n'hésitez pas à me rejoindre en vocal. Vous êtes les bienvenus. Non, mais je la valide, elle est legit. Après, moi j'ai choisi le chaos universel, donc ils peuvent sortir de chez Zetch, hein, de chez Slanesh, hein, sans souci.
Excellent. Trop bien. Salut Sip. Merci Max pour le lien. N'hésitez pas les amis, je le rappelle encore, mais voilà. C'est encore plus d'actualité actuellement. De toute façon, une fois que je me serai fait opérer et qu'on aura passé le mois de où je ferai rien, du moins très peu de peinture, on verra comment ça va se passer. Salut Angry Painter, comment vas-tu ? Je commencerai le déménagement. Eh, ça va, ça va. Ah, oh, ça fait très rose, hein. On n'est pas sur du violet, quoi. Yes. Ouais, tant pis, vous savez quoi? Le schéma violet ne veut pas passer, ça veut pas prendre, j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à trouver les bonnes teintes. On va rester sur ce que je sais faire, c'est-à-dire du noir. Salut Conrad! Comment ça, nope? Tu trouves que ça fait pas très heureux, ça fait pas violet là? Je comprends pas. Je trouve que ça fait très rose, quoi. Ouais, on est d'accord. Allez. Hop, on va rebaser tout ça. Ouais, mais tant pis, c'est pas grave. Écoute, on va rester sur le schéma Games et puis voilà, avec les drapés bleus. Et merci Conrad pour le resub. Déjà 4 pas d'abo, le temps passe vite. Oui. Regarde la lumière réelle. Oh. Pff. Déjà là, je vois là. Je suis pas satisfait. On va rester sur ce que je sais faire.
C'est ça, c'est les Slave to Darkness, Archange. Et bonsoir à toi. Ah, j'avais même pas vu ton message, excuse-moi Archange, bonsoir. Ouais. Bah non, même pas, parce qu'en fait, son message était avant ton resub, Conrad. Ah, mais oui, je les avais vus déjà en partie sur le, pendant ton live. T'étais en train de peindre les arcs. Ouais, c'est le chef. Le char Slave to Darkness, ouais. Moi j'ai mis la bestiole là, j'avais le choix entre les chevaux ou la bestiole, du coup j'ai mis la bestiole directement et putain, ça rend de ouf hein. Il est beau hein. Quand tout sera peint là, ça va être splendide. Il me tarde. Ah d'accord, j'avais pas vu. Salut Chouba. Yes. Ouais, il faut que je prépare ma future entrée pour le Golden Demon. Ouais, oui, t'as Vix. Ouais, j'ai envie d'essayer. Tu sais, j'y vais pour le kiff, quoi. Tu sais, j'y vais pas forcément dans l'idée de ramener quelque chose, tu vois. J'y vais juste pour le kiff. C'est quand cette année? Ah non, c'est mort, pas pour cette année, du coup, ça sera pour l'année prochaine. Milwaukee. Non, en Allemagne, Witabix. Je ferai. Cette année, c'est en Allemagne, l'année prochaine, on sait pas.
Je connais pas SN. D'accord. Ouais, c'est juste cette année, hein. Après l'année prochaine, on sait pas. Ouais. Et vous saurez pas ce que c'est. Pas avant le live. Attendez. Un souci de son, on n'a plus la musique, Robert. Bon. Je reviens. Je reviens. Je fais une pause, j'arrive. Allez, on va faire des squats. Ça, on a dit qu'on faisait des squats. Ah, c'est bon, la musique fonctionne. Allez, on va squatter un peu. Du coup, Conrad. On va changer de couleur pour Conrad. K-O-N tiré. Allez, que c'est parti. Un, deux, trois, quatre. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je suis sympa, je t'ai pas fait faire les squats à chaque mois. Ou si, je les ai tous faits à tous les mois. Hein. À chaque sub, je les fais. Chaque sub et chaque resub.
Oh, mais pourquoi tu fais ça, Conrad? C'est le but du jeu, justement. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Allez, on va ranger ça. Du coup, on fera pas de violet. 11,75. Onze soixante six, c'est là-haut. 11,065, c'est là. 111,83, c'est là. 111,86, c'est là. Ok, tout est rangé. Maintenant, on va prendre le cahier. Vous savez, la Sainte Bible, Valhalla. C'est une blague. Avec mes chapitres. C'est encore ce qui m'a. Tac. Donc, on va voir ensemble ce qu'on a de prévu. Alors, donc le nom métallique métal, pas besoin. Voilà, le black, il est là. Alors, il nous faut du noir, du Sunny Skin Tone, Sunny Skin Tone, du Gloss Medium, du Burnt Red. Laser Yellow. De l'ivoire qui est là. Mmh. Est-ce qu'on est chaud? Ouais. Ah, je suis un peu dégoûté pour le violet, mais c'est pas grave. Déjà, peinte cette figue. Oui, alors, pas bien, Vitavix, tu vas te calmer, d'accord? Je l'avais présenté à l'Octo. Ça là, là? Et Girion, personne m'avait évalué. Waouh. Pourquoi j'ai du white? C'est pas du white qu'il me fallait. J'ai dit de l'ivoire. Let myself to. Ouais, t'as fait comme Marjo au FWD, quoi. T'as fait ta groupie.
Bah, il faut, c'est normal. Moi aussi, il me tarde hein, d'avoir le retour. Être jugé par ses pairs, c'est cool. Allez, c'est parti. Ah, pour ça, je suis champion toute catégorie, Max. Tiens, au fait, Torm, tant que t'es là, j'en profite. J'ai joué un petit peu à Ghost of Tsushima. Ah, oh, c'est une tuerie. Je suis un grand, grand fan de l'armure des Ronins, là. L'équipement des Ronins. Pouh! Ma fille a fini cet après-midi. Ah, moi, j'en suis encore loin, hein. Je viens à peine d'arriver sur la deuxième partie de l'île. Sinon, en ce moment, si vous aimez bien un peu le style de jeu genre Fortnite, j'allais dire, genre Warframe ou Destiny, je vous invite expressément à télécharger gratuitement, parce qu'il est gratuit, The First Descendant. Ouais, du coup, Elden Ring, pas du tout ta tasse de thé, quoi. Ok, ouais. Et on respecte ton choix.
Donc là, je réapplique en fait la même couleur, mais beaucoup plus diluée, pour en faire une. Pour lier les différentes teintes entre le noir et l'éclaircie qu'on est en train de faire. Yes, je vais regarder ça de suite. Là, ce week-end, c'était un petit peu un week-end détente. Lundi, demain, on reprend le taf, là. Ça va faire du bien. Peinture à fond. Série à fond. On est en train de torcher la série des Peaky Blinders. Oh, il est chouette, dis donc. Le socle est cool aussi. Bon, dommage que ce soit un socle carré, mais... Non, mais Peaky Blinders, ça faisait déjà pas mal de temps. J'étais arrivé à la cinquième saison, je crois. Ouais, j'ai tout recommencé depuis le début, pour pouvoir bien suivre correctement avant la sortie des films, quoi. Le reste en MP. Ok. Waouh, la cape elle déboîte, hein. Ah bah j'aime bien, c'est très joli. C'est très très joli. Oui Tabix, je t'invite à poster les photos, tu sais, directement dans projet artistique. Allez, maintenant on va faire les assombrissements. I'm just going with the morning and the time before the light. It's been tough fencing, turn a weary wolf to fight. Donc là, c'est du black red avec du black avec du médium. Mais tu vas faire mieux, j'en suis sûr. Écoute, je vais faire de mon mieux, surtout. C'est déjà pas mal. To my best, my friend.
It's just a guy. You just laugh. Turn to leave the rest of me this time. We want somebody we come the streets to find your reality. Girl, fight, last and be my own night. Ah oui, putain, ça fait que j'arrive à voir. Ouais, Archange est très bon. Il y a vraiment des trucs de faux, j'aime beaucoup aussi. You feel ah, le char est incroyable. C'est un répulseur, 8ABX. Et Alkesh, c'est la spirette des Sylvanettes, ça? Ouais, le char est incroyable. Enfin, ouais, le répulsor est incroyable. J'en ai un à peindre en mode bah, comme ça, en mode Dark Angel. Ouais, il me semble aussi. Hein. Elle est cool aussi. Hein. C'est du beau travail. Hein. Bravo, Alkesh. Bravo, tout le monde. C'est cool. Fait plaisir. Allez, on continue les assombrissements. Ouais. Ouais, sur veut être chiant, 8ABX, sur veut être chiant. J'avoue. Non, après, il a raison, c'est pas un char qui sort de l'usine, donc il faut le noter. Ah, d'accord, ok. Bon, ben, j'ai rien dit. Titi, ferme ta gueule. Allez, on reprend. Now can we understand that stupid infant? Every game so far away, we wait for the day, yeah. For the light song with me in your, you feel the pain. To the fire flame of flames we carry on.
Hey, merci infiniment, Midiestro. Merci infiniment pour le follow. N'hésite pas à prendre un thé, un café, un chocolat chaud et à venir t'installer tout près de nous. J'offre également les croissants et les chocolatines. Allez, on va rajouter du coup, hop. Yeah, yeah, nah, nah, nah. De suite, ça fait des menaces. Pas bien casé. Pas bien. Comme dirait un grand philosophe, il n'y a que le mépris pour toi ce soir. Non, tu t'es trompé, c'est je tremble de froid, pas d'effroi. Ça veut rien dire. Born in the USA, I was born in... Je sais, bébé, blague. Après 15 ans, elle me connaît toujours pas. Ah, Bruce Springsteen. Oui, tu sais, celui qui annule ses concerts 10 minutes avant. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. De quoi ? Pas compris. Le lion, ne s'associe pas avec le cafard. Ah ouais, moi j'avais compris le lion dans le placard. Je comprenais pas pourquoi. Salut Valou! Alors, je dis pas qu'elles sont mieux, parce que je vais me faire taper dessus, sinon, je dis juste qu'elles sont différentes.
Elles sont différentes dans le sens où les peintures AK, déjà, il y a des, beaucoup de teintes aussi, autant chez Games, mais surtout, en fait, les peintures AK, c'est le packaging qui est meilleur. C'est-à-dire que Games font des pots de façon à ce que tu en perdes le maximum pour pouvoir en racheter. Voilà, c'est purement commercial. Et c'est pour ça que depuis toutes ces années, ils ne changent pas leur peau. Ensuite, Games fait des teintes que tu ne trouveras pas ailleurs. Notamment le XV88, qui est une très belle teinte que tu ne trouveras pas ailleurs. Tu trouveras des teintes qui s'en rapprochent, mais pas celle-là. Et puis surtout, AK, c'est le prix. Le prix, la quantité. C'est-à-dire que chez Games, on a du 12 millilitres. Chez AK, on en a du 17. Et puis à travailler AK, c'est vachement cool. Donc je dirais pas qu'elle est mieux, je dirais juste qu'elle est différente, que certains que Games a des avantages, que AK a ses avantages. Voilà, il faut juste, je pense, tirer parti des deux sans problème. Ça va, j'ai bien répondu là, c'est sans critiquer ni l'un ni l'autre, on est bon? Ah, parce que c'est un exercice pour moi. Hein. Ouais, 30 minutes avant, ça fout les boules quand même. Mais du coup, comment ça va se passer? Ils vous remboursent le billet ou pas? Ouais, Games, c'est des teintes SPG, ouais, tout à fait. Ah oui, le blanc est une horreur. Le blanc, le jaune est une horreur chez Games. Quand tu as goûté les pots à pipette pour l'aéro, dur de faire marche arrière. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Je pense investir pour le coup sur AK. Merci pour la réponse. Bah écoute, avec plaisir. Soit remboursement, soit place. On vient à son prochain concert le mois de mai. Ok, t'es politiquement correct dans ta réponse. Merci Max. Ben, le truc en fait avec Games, c'est que oui, ils ont des teintes que tu trouveras pas ailleurs. Le Morfang Brand qui est une super teinte aussi. Mais voilà, le problème encore c'est ça, c'est le packaging quoi. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des pots que t'as pas utilisés pendant 3 semaines et la moitié vont être sèches, tu vois. Ouais, la contraste est pas mal, je suis d'accord. Eh, on est pas mal là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli. Et on n'a pas fini. Allez, Glacy! Donc là, c'est dilué plus, hein. C'est vraiment pour lier les teintes. Exactement, Anime. Donc je le rappelle, hein, toujours du plus sombre à la lumière. Eh oui.
Tada ! Et presque fini. Il nous reste encore un petit peu de trucs à faire. Il nous reste un petit glacis de laser yellow. Ouais, bah écoute, je vais répondre, je vais voir ça de suite. Tu veux que je réponde en live ou je te réponds en MP, mon poulet? Envoie-moi ton mail en même temps, Conrad, comme ça je te réponds directement par mail. À savoir que tout est compris. Voilà, tout est compris. Vous avez vu quel point c'est transparent ? Ah, c'est le but. En fait, là, on va juste teinter. Ouais. Non, pas là, non. Là, on va faire plutôt un noir qui tire un petit peu vers le gris, gris-vert. Non, bébé, je suis en stream. Ouais, un petit reflet en fait pour éviter d'avoir un noir trop plat ou un éclairci trop plat. Et comme en fait on travaille en glacis, ça va juste superposer en fait la teinte sans marquer vraiment à fond quoi. Voilà, on a déjà un petit aperçu de ce à quoi ça va ressembler à la fin. Ouais, bah c'est plus que du glacis, là on appelle ça du glavis. Regarde l'ivoire. Regarde l'ivoire. Tu vois ma main là? Regarde comment c'est transparent et liquide. Et là du coup... On va vraiment faire uniquement sur les grosses lights. Ah. Ouais, c'est de l'entraînement, hein. Franchement. J'ai rien à envier, hein. C'est vraiment de la pratique. À une époque, je peignais 12 heures par jour.
pas fait d'école d'art, j'ai aucune théorie. À la limite, peut-être une capacité à comprendre les tutos et pouvoir les assimiler assez rapidement. C'est-à-dire que j'ai la chance en fait d'avoir une mémoire photogénique et comment dire, et du geste. Du coup, quand je regarde des tutos, bah, par exemple le tuto sur le noir là, je l'ai regardé qu'une fois. À la limite, j'ai peut-être juste ça, voilà, mémoire et d'éthique. Merci, Anime. Voilà, à la limite, j'ai juste peut-être ça, juste ça à envier. Mais sinon, c'est tout, quoi. Après, c'est que de la pratique. Énormément de temps passé. Hop, peu trop dilué. Trop présent, et bon, on va l'atténuer. Bon, après, demain, j'aurais oublié Anime. Mémoire et d'éthique. Voilà, c'est juste ça. Et du coup, on a fini. Alors, à la vidéo, ça ressort énormément. Par contre, en vrai, quand tu la regardes en vrai, ça ressort pas autant. Vous verrez, je prendrai une photo tout à l'heure avec un fond noir et tout, ça va ressortir de ouf. Tétique, téton, je sais pas. Ah, aider les tétons et les tiques. Hey! Bon, on va s'arrêter là pour ce soir, les amis. On va s'arrêter là pour ce soir. Voilà. En tout cas, hop, blabla. Merci infiniment d'avoir été là ce soir. Encore désolé pour le stream d'hier qui n'a pas été prêt, qui n'était pas là, etc., etc. Mais voilà. En tout cas, merci infiniment pour tout. Merci beaucoup. Merci pour les follow, les subs et les resubs. On se retrouve demain soir à partir de 21h pour de nouveau un live peinture. Par contre, on sera sur une commission de Custodes, full NMM, bah celle d'Archange. Et puis voilà. En tout cas, voilà. Merci infiniment. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Et à demain. Ciao!